Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Alors, on va commencer l'interview. Peux-tu me dire ton nom? Tu es dans quelle année et qu'est-ce que tu étudies? Je m'appelle Fumia. J'étudie l'histoire de l'art occidental. Je suis un étudiant de 4e année. C'est dernière année. Tu étudies seulement en japonais? Oui. Et quel était ton niveau de français avant de venir à Telako? Et quel est ton niveau actuel? Avant de venir à Telako, j'étais au niveau débutant. Oui, je me sens confortable de parler à l'étranger parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, communiquer et à connaître d'autres choses. Je peux lire et écrire un peu. C'est très bien, c'est très bien. Donc tu te sens confortable à parler, à écrire, à lire en français maintenant. Oui, oui, oui. Maintenant, oui. Et comment tu as appris le français? Tu as regardé des vidéos, lu des livres, tu as eu des vrais cours de français? Au début, j'ai appris... j'ai appris les bases de la langue. Par exemple, j'ai appris la grammaire et le vocabulaire. Ensuite, je suis venu à Telako et j'ai posé beaucoup de questions de français. Et parfois, j'enregistrerai ta voix. pour écouter et pratiquer la prononciation à la maison. Oui. À ma maison. C'est très utile. Et la grammaire et le vocabulaire, tu as appris avec des livres. Oui. Tu n'avais pas de cours de français. Oui. Très bien. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus efficace pour apprendre le français? La partie la plus difficile était la prononciation parce que les règles sont très compliquées. Et, par exemple, les liaisons. La élision, l'enchaînement. Je suis en train d'apprendre ça. Et qu'est-ce qui marche pour toi pour apprendre? Tu as beaucoup de motivation? Je ne pars pas ma motivation. Parce que j'apprends le français pour réaliser mon rêve. Et quel est ton rêve? Mon rêve est de devenir un guide dans les musées d'art en France. Ah, c'est super! donc tu apprends l'histoire de l'art en français. Oui. Et de quelle manière est-ce que Telako t'a aidé à atteindre ton but? Tu viens souvent à Telako? Et qu'est-ce que tu fais quand tu viens? Grâce à Telako, j'ai eu beaucoup d'occasions de parler le français. Et je sens que
je progresse petit à petit. Mmh. Et je suis arrivé à Delaco il y a 5 mois. Et à partir de là, je suis allé environ 14 fois par semaine. Presque tous les jours. Oui, tous les jours. J'ai passé beaucoup de temps à parler le français et l'anglais. Très bien. L'anglais. Et est-ce que tu as déjà passé des examens de langue officiels? Non, je n'ai pas passé d'examen de langue. Mais j'ai un examen en mars prochain. Donc, je vais étudier tout ça. Quel niveau et quel examen? Je vais passer le DELF A2. Ah, très bien. Très bien. En seulement 4 mois, c'est très rapide. Oui, 14 mois. Super, super. Et qu'est-ce que tu penses qui rend Telaco spécial? Je pense que Telaco est un endroit qui me donne de la chance de prendre un niveau départ, un nouveau départ. On peut découvrir différentes cultures par la langue. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de choses culturelles. C'est intéressant, surtout pour l'histoire de l'art. Alors, est-ce que cette expérience, le fait de venir à Telaco, a influencé ton futur? Pas de doute. Cette expérience a influencé mon futur. Je pense que j'aurais atteint plus vite le niveau nécessaire pour étudier l'histoire de l'art à la Sorbonne à Paris. Oui, la Sorbonne, c'est une des Oui. meilleures universités de France. Oui, exact. Wow, super. Et est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, rester curieux. Il est important d'essayer de nouvelles choses. C'est quelqu'un de très curieux. C'est Oui, très bien. oui. C'est difficile. Non, c'est important. C'est important, c'est très important, oui. Ah, super. En tout Merci. cas, bon courage pour ton futur. J'espère que ton examen va bien se passer et que tu pourras passer les examens d'entrée pour la Sorbonne et que tu pourras réaliser ton rêve d'être guide. Merci. Les musées. D'accord. Merci beaucoup pour Merci. aujourd'hui Merci beaucoup. et à bientôt. À bientôt.